Gobe. Gobe. Leave it. Leave it. Leave it. Leave it. Leave it. Leave it. Bonjour Virginie. Bonjour. En plein travail. Alors ici nous sommes dans votre boutique, boutique atelier. Oui. Alors donc, vous travaillez toute la journée en même temps que vous recevez les clients, c'est ça? Je travaille toute la journée, quand les clients évidemment viennent, oui. Bien sûr. Et puis je donne les cours. Ah d'accord, ici dans ici, l'atelier. Dans l'atelier, ah, oui. Toute cette table permet de recevoir toutes mes élèves. Ok, mais alors vous fermez la boutique quand c'est comme non, ça? La boutique reste ouverte en même temps, donc il y a trois créneaux... qui sont différents, un en fin de journée, un dans l'après-midi et un le matin. Et les gens peuvent aussi rentrer voir ce que l'on fait. D'accord, bah c'est super. Alors, expliquez-nous cette passion de la perle, parce que c'est surtout de la perle. Je vois qu'il y a de la broderie, il y a plein de choses, mais... Alors, c'est un travail sur la perle de rocaille, notamment. Bien sûr qu'on utilise d'autres perles plus grosses, des pierres naturelles, les perles plus classiques que l'on connaît, des perles de nacre, etc., perles de culture. Et c'est de la petite perle de rocaille. Celle que j'utilise est un peu particulière, c'est souvent du tube et ce sont des perles qui ont été fabriquées au Japon. Ah oui? Qui sont découpées au laser, donc perles de verre, bien évidemment. Oh, puis elles sont minuscules, elles sont non, toutes petites. Oh là là. Et la découpe au laser, justement, permet d'avoir quelque chose de très régulier, à la fois sur l'aspect extérieur et à l'intérieur pour passer le fil plusieurs D'accord. fois. D'accord. Donc, elles sont... Alors, il y a des tas de couleurs en plus. Alors, il y a énormément de couleurs, énormément de tailles différentes. Là, vous voyez celles que j'utilise, notamment pour ce bracelet-là, pour cette pièce un peu géométrique. Oh là là. Mais alors, vous dessinez le modèle? Comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que vous faites? Non, il y a des modèles qui existent déjà, des schémas. Oui. En fait, il y a plusieurs techniques. D'accord. Donc alors. Toutes ces techniques, quand elles sont combinées ensemble, permettent de donner des formes ou des volumes différents. D'accord. Voilà, donc c'est l'apprentissage des techniques qui permet ensuite d'obtenir des assemblages. Des assemblages ou des formes géométriques ou non géométriques. Et qui vont permettre de monter une pièce plus ou moins grosse. D'accord. C'est une création alors. C'est une création. Voilà. On peut aussi retravailler sur de la broderie. Ces perles-là se travaillent sur un support qui est un peu. C'est plus courant de parler de broderie perlée par exemple. D'accord. Sur les robes, sur les vestes. Voilà. Et puis même sur un gabarit qui sera appliqué ensuite sur un sac, sur une robe à manteau. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Mais souvent, je travaille sans. Support, c'est-à-dire que c'est la constitution de mes premières perles avec une technique particulière qui va me donner la forme et qui va me permettre d'aller plus loin. D'accord. Et de faire grossir le vous bijou. Avancez au fur et à mesure. Au fur et à mesure. D'accord. Alors, c'est un peu ça qui est magique. Oui, c'est ça. Ça devient quelque chose alors qu'au début, on ne sait pas. Mais alors, vous êtes intéressée à la perle depuis combien de temps, Virginie? Alors, j'ai toujours... Du plus loin que je repense, j'ai toujours eu la perle dans mon environnement. Mes grands-parents étaient des soyeux lyonnais. J'avais une arrière-grand-mère qui était couturière. Alors, des soyeux, c'est ceux qui travaillaient la soie, voilà. Donc avec le tissage, les métiers jacquard, évidemment. Et j'ai ma mère travaillant dans l'atelier avec eux, j'ai baigné là-dedans pendant très longtemps. Les couturières avaient aussi des boutons, des perles. Et mon arrière-grand-mère étant couturière, j'étais là-dedans. La perle a quelque chose pour moi de fascinant et de magique. Elle permet de voyager, elle est reliée à plein de cultures différentes. Puisque dans tous les pays, on trouve des perles en fonction des ressources. Oui, et les perles, elles viennent d'où? Parce qu'on connaît les huîtres qui fabriquent des perles. Les perles alors, viennent de partout. Elles viennent de partout, là, vous montrez là, alors. Voilà, donc chaque pays ou chaque continent... à ses propres perles en fonction des ressources dont il dispose. Ça a toujours existé, la perle. Du plus loin qu'on remonte, on trouve des bouts d'os qui ont été percés et ça devenait une perle. Portée en bijou, ça devenait un accessoire. Mm-hmm.
Et c'est ce que vous expliquez donc aux personnes quand vous faites les formations, vous leur parlez de tout ça? Oui, bien évidemment, on parle de ça. Et puis après, on apprend à justement utiliser ces perles-là et les perles des pays et les techniques. Chaque culture a aussi sa façon de travailler. Donc on va retrouver des choses très aérées, par exemple en Afrique, les boucles, comme dans les pays de l'Est aussi, qui vont travailler différemment en boucle. Les Amérindiens ont une façon plus différente de travailler, souvent sur des morceaux de cuir, et puis c'est beaucoup plus dense. Le tissage est extrêmement serré, dense, et on rajoute à ça les couleurs, les symboles de chaque pays. Ah oui. Voilà. Oh, et beau, on retrouve des techniques très différentes. Oui, ça doit être vraiment. Oui, parce que toutes les petites filles, on a fait des colliers, on a. Les c'est vrai. Les chiens, sur les métiers à tisser aussi, oui, petits métiers à tisser. J'ai commencé comme ça. Ah oui. Mais ça a quelque chose. La perle a quelque chose de fascinant parce qu'elle vous emmène. En fait, elle vous fait voyager. Si on étudie d'où elle vient et ce que l'on peut en faire, c'est extrêmement intéressant. Pour apprendre la géographie grâce à la perle aussi. Oui. Oui, tout à fait. C'est plus sympa, oui, tout à fait. Alors Virginie, vous allez pouvoir me parler aussi parce que vous avez déjà fait des concours. Alors on va se diriger vers des pièces. Là, alors maintenant. Virginie, donc nous sommes ici devant une le premier prix, mais c'est super ça. Donc en 2012, oui. Avec ce travail qui est quand même impressionnant de oh là là. Alors, c'est un projet qui m'a demandé effectivement pratiquement 3 mois de travail. On retrouve, il était fait pour Briard, et Briard est une ville fleurie. C'est ce qui m'a donné l'envie de travailler les fleurs. En plus, souvent, j'aime beaucoup m'inspirer de la nature, et je trouvais intéressant de rappeler à Briard qu'effectivement, elle avait gagné plusieurs fois le prix de la ville fleurie, c'était intéressant. Voilà, donc j'ai construit une résine qui est dessous. Voilà. D'accord. Et quand je parlais de différentes techniques tout à l'heure, voilà une des premières techniques par exemple qui existe, on appelle ça du netting, très courant en Afrique du Sud par exemple, et puis également dans les pays de l'Est. D'accord. Voilà. Et après, j'ai construit chaque fleur. J'ai pris le chiffre 3 parce que la ville, bien sûr, il y a le pont canal, il y a la Loire, et il y a encore un autre canal. Donc, elle est traversée par 3 fleuves ou 3 rivières. Voilà, l'eau est présente à Briard. Donc, on va retrouver au fil de l'eau, en fait, mes 3 fleurs, et toujours en nombre 3. Donc, ce sont des fleurs imaginaires ou des fleurs qui existent? Oui, ce sont des fleurs imaginaires. Bon, on peut qui après... présente après certaines fleurs qu'on peut... Après, on peut retrouver ici un peu le l'hibiscus, la fleur d'hibiscus. Mais c'était plutôt imaginer des fleurs et puis leur donner un lien de couleur, hein, puisqu'on va avoir l'eau qui est bleue et on part après sur la transparence et on arrive au blanc derrière. Alors quand même, voilà, c'était vraiment... Quand on vous a proposé de faire ce concours, ça s'est passé comment? C'est une de mes amies qui a absolument voulu que je participe à ce concours. C'était le premier que je faisais. Donc j'étais un petit peu, au début, un peu impressionnée. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et elle m'a dit, si, fais-le, tu verras, ce sera intéressant. Donc j'ai joué le jeu. Et j'ai reçu beaucoup de perles, qui sont les perles de Briard, des perles et des boutons qu'on va retrouver à l'arrière. Si, d'accord. Voilà. Et je me suis retrouvée avec énormément de perles, puisque c'était dans les contraintes du concours, d'utiliser ces perles-là et ces boutons pour les mettre en valeur. Et il m'a fallu un peu de temps après pour trouver donc les couleurs que j'allais utiliser. Et ça s'est fait au fil des semaines. Et après j'ai eu l'idée des fleurs. Oui, parce que c'est pas évident de trouver le thème en même temps. Non. On fait un concours, mais bon, qu'est-ce que je vais faire quoi, en fait. Je le disais tout à l'heure, je me suis documentée sur la ville. Oui, et je me suis aperçue que c'était une ville fleurie. Oui, c'est ça, J'ai vu qu'elle avait gagné des concours. Et comme j'aime les fleurs, Il faut avoir de l'imagination aussi. C'était une évidence. Oui. C'est bien. Donc j'ai construit tout ça autour. Oh, super, bravo. Alors là, je vois, mais il y a beaucoup de choses là, des bijoux vraiment magnifiques. Donc là, qu'est-ce que ça représente? Un escargot, ça c'est la mer. Alors la mer, bien évidemment. Oui, puisqu'on est à 7 ici. Oui. Comme une forme de coquillage. Voilà, avec une technique qui permet d'avoir quelque chose d'assez ferme, d'assez dense, pour être porté après. Et les couleurs, elles sont vraiment belles. Oh là là. Oui, je suis partie un peu de l'arc-en-ciel.
Donc là, des pièces, en plus, vous faites des pièces uniques, en fait. Oui, toutes les pièces sont uniques. Ici, on va retrouver en plus de la perle, de la pierre naturelle, avec du lapis-lazuli et de la pierre de lune. D'accord. Montée sur un cabochon qui va être serti derrière également. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment... Les boucles d'oreilles, donc... Mais alors... Des formes un peu géométriques, mais toujours arrondies. J'affectionne particulièrement les formes douces et harmonieuses. Mmh. Voilà. Après, la géométrie a été intéressante pour les volumes. Mais alors, vous devez rêver de vos perles la nuit, de vos créations. Comment ça se passe? Plus maintenant. Mais vous l'avez fait au début. Sauf que quand je suis dans l'élaboration d'un projet, par exemple, là j'ai un concours qui va avoir lieu plus tard dans le premier trimestre de 2020. Voilà, je suis en train de commencer à penser à des choses et je prends des notes. Mmh. Je peux faire des petits croquis de temps en temps quand j'ai une idée. Et une fois que. Il y arrive un moment où on se dit, tiens, ça y est, c'est fait. Ah. Et on sait. D'accord. Donc ça, c'est une première recherche qui est toujours intéressante. Une sorte de recherche documentaire sur le thème aussi du concours. Beaucoup d'informations, être noyé dans les couleurs, dans les symboles du thème. Mmh. Et après, on travaille. Et après, on travaille. On se paie vraiment sur l'élaboration du bijou. Mmh. Et là, ce collier aussi... Voilà, alors, est-ce que ça est une géométrie? Oui, est-ce que ça fait penser à un pays? Est-ce que ça fait penser à quelque chose, celui-là? Non, là, on est plutôt sur des formes très contemporaines. À l'heure actuelle, c'est vrai que la géométrie dans l'art contemporain est très appréciée. Mmh. Donc, et c'était l'envie toujours, moi, de mettre des couleurs. Oui, j'aime mettre des couleurs. Des couleurs en avant, tout le temps. Donc j'ai défini une charte de couleurs et après, voilà, j'ai pu travailler. Quelques-unes de mes élèves ont fait quelques triangles dans cette pièce. Ah oui, d'accord. Ce qui était intéressant et les faire participer à ça. Justement, j'avais posé cette question avec vos élèves. Donc au départ, c'est des personnes qui travaillent la perle ou c'est des personnes qu'on vous pouvez... Pas forcément. Oui. Il y en a qui vont rentrer, qui vont être émerveillées un petit peu par ce côté magique de la perle. Et qui vont s'y mettre. Très souvent, ce sont des gens qui ont fait des femmes qui ont brodé ou qui font de la couture. Mmh. Voilà, mais pas toujours. Oui, parce qu'il faut quand même compter, calculer. C'est un peu comme quand on fait des torsades ou du jacquard, ou je ne sais pas. Hein. C'est ça. Il faut quand même être attentive. C'est ça, c'est technique. En même temps, c'est un côté très thérapeutique. Quand on est sur les perles, on est obligé de se centrer sur ce que l'on fait. Et oui. Finalement, on décroche du mental. Mmh. Et ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de mes élèves sont des hyperactifs. C'est de la méditation dans la perle. Oui. On dit perlothérapie de temps en temps avec les élèves. Ah oui, on a plus le temps de se parler, on est passionnés par ce qu'on fait. Ouais. C'est minutieux aussi, parce qu'il faut quand même, il faut pas trembler quand même pour attraper les perles. Hein, pour les, Oui, mais après, on est centré, donc forcément le geste, il s'affine au fil du temps. Et finalement, il n'y a pas... Bon, bien sûr que si vous tremblez tout le temps... Oui, non, mais bien sûr. Mais non, par contre, le cerveau, parce qu'au début, on doit trembler, on n'a pas l'habitude de faire ce... Mais après, le cerveau s'adapte. Oui, ça s'acquiert très vite, le geste. Après, c'est quelque chose de technique, c'est-à-dire comme tous les gestes manuels, on va, c'est la répétition qui va faire qu'on sera de plus en plus à l'aise et on sera de plus en plus rapide. Voilà. Mais c'est très vite très intéressant parce que la variété de perles est tellement importante et les finitions des perles. Mmh. Vous avez vu qu'il y a des aspects mat, on peut donner de la brillance ou de la transparence. Oui, franchement, c'est la découverte. On se prend vraiment au jeu. Et il y a toujours quelque chose de nouveau dedans. Et puis je vois qu'on peut aller, bon voilà, on a vu les différents supports là, par exemple sur ces bras, sur ces tissus, c'est du tissu ça. Là. Non, ça ce sont toutes les perles. C'est que des perles. Ça, ce ne sont que les perles qui vont être tissées entre elles et qui vont donner cette manchette. Et oui, ça fait comme si c'était franchement. On construit. Ah oui, d'accord. On construit. Sans avoir de support. Le cœur qui est dans le petit cadre. Oui. Là, un support. C'est-à-dire que j'ai brodé dessus un support. D'accord. Et je me suis amusée à dessiner des motifs, des lignes avec le mélange des couleurs. Très joli. Hein. Très joli. Alors là, ce sont des
des perles que les personnes peuvent acheter. Donc voilà, là ce sont des kits qui des correspondent kits. Au choix des modèles que j'ai en cours. Quand on fait des kits ateliers par exemple, c'est-à-dire un atelier ponctuel ou une personne qui débute, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, on part là-dessus et elle peut choisir après d'autres couleurs, d'autres kits. Eh bien, et là voilà, là on vous voit là avec donc voilà, au travail. Les perleuses de bijoux, c'est c'est un métier, perleuse de bijoux, ça s'appelle. C'est la seule nomenclature que j'ai trouvée par rapport au métier d'art. D'accord. C'est vraiment, on vient de la métier, c'est de la broderie d'art. L'artisanat d'art, c'est oui, ça. Oui, c'est de l'artisanat d'art. Ouais, ouais. Assez peu connu en France, c'est très confidentiel. C'est très courant aux États-Unis, c'est très courant dans les pays de l'Est. Les Russes font ça depuis très très longtemps. C'est plus, il y a une petite communauté en France, mais voilà. C'est... Et vous êtes à Sète depuis combien de temps? Vous venez du centre? Alors moi, je viens de la région lyonnaise. D'accord. Le fameux atelier des canuts. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, avec les grands-parents. Et puis ça fait 2 ans que je suis installée à Sète maintenant. Voilà. Là, la lumière merveilleuse pour travailler les perles et pour avoir l'inspiration avec les fameux coquillages. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai toute une partie, toute une petite série que j'ai fait un peu. Ah oui, là. Avec du volume et des couleurs. Et puis là, vous avez un petit tableau. Alors là, j'ai un peintre, un artiste peintre qui est venu faire des croquis. Quand on est en train de travailler, quand je suis en train de travailler, mais notamment il y avait aussi mes élèves. Alors il s'appelle Joël Monnier. D'accord. Et puis alors là, donc. Voilà, donc là, tous les bleus de la mer, avec les coquillages, et puis des formes un peu très arrondies qui peuvent rappeler les vagues. Voilà. Notamment une broche que j'aime beaucoup. Voilà. Avec un petit coris doré et des volants qui peuvent représenter après tout ce qu'on retrouve en bord de mer. C'est très joli. On est dans la douceur là. Bien Virginie, bravo, c'est chouette d'être venue. Merci. Donc voilà, alors. Comment on fait si on veut faire assez des formations de combien de temps? Une journée, un atelier de plusieurs heures? Comment ça se Alors, passe? Alors, les séances durent 2h30, qui est un bon tempo pour travailler et pas perdre la concentration. Voilà. Après, il y a un fonctionnement hebdomadaire, donc avec des créneaux au long de la semaine, et puis des stages thématiques environ toutes les 8 semaines, où là, ce sera à la journée, avec le choix de travailler de 1 à 3 journées pour rentrer dans la technique, approfondir et devenir le plus possible autonome. Plus on est autonome, plus on crée et plus on se fait plaisir. L'objectif, c'est aussi ça. Oui, vous faites des expos de temps en temps, alors, des créations, enfin, je veux dire que vos élèves ont pu réaliser. Alors, les expositions des élèves, bien sûr, on le fait quand on a un salon. Quand je participe à un salon, j'emmène toujours des bijoux qui ont été faits par les élèves pour montrer le travail. Les journées portes ouvertes aussi, des ateliers d'artistes. Les métiers d'art. Et puis après, un choix qui vont se rapporter vraiment au métier d'art. Oui. Parce qu'on est dans du métier d'art, ça demande de la dextérité et ça prend du temps. Tout à fait. Pour construire quelque chose. Voilà. Et pour créer. Bon, c'est très joli, je suis ravie de ce reportage. Merci beaucoup Virginie. Merci, et puis je mettrai les coordonnées pour toutes celles qui veulent faire. Vous avez des garçons des fois qui travaillent la perle ou pas? Alors, ça. Non, très peu. Non, il y en a quand même. Oui, j'ai eu le fils d'une amie qui est venue, qui avait 24-25 ans, et tout un après-midi, on a perlé ensemble. Ah, et il s'en sort très bien. Donc j'invite tous les messieurs à venir essayer. Voilà, c'est ouvert aux filles, aux garçons. Parfait. Merci Virginie. Go be, go be. Go be. Vive. 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 Oli noli kobe kame kame se somi ali kendo pe no te. Oli ano me pi komo che.
Tu vois, regarde-moi, la bonne lunette chez